Et malheureusement, il y a une personne vendredi à cet endroit-là, elle s'est fait shooter par une voiture. Le feu était rouge, elle a voulu traverser et elle s'est fait shooter. Des témoignages comme ça, il y en a tous les jours. Depuis le 10 novembre, on en reçoit de plus en plus. Les incivilités et la violence routière subies par les piétons et les vélos. Et aujourd'hui, on est là pour dénoncer ça. Donc le 10 novembre, c'était un moment un peu charnière qui a été lancé en catastrophe. On n'était pas beaucoup sur l'affaire. Et depuis le 10 novembre, le vélo et les mobilités douces se sont réveillés à Montpellier. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle un die-in. Donc ça consiste à s'allonger sur la route pendant juste quelques minutes. En silence, hein, c'est un moment quand même solennel, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas une célébration parce que ça fait souvent suite à un accident qui a pu être fatal. Ici, c'est pas le cas, heureusement. Mais enfin, on parle quand même de quelqu'un qui a multiples fractures, qui a fini aux urgences. Donc c'est un moment quand même qui se veut silencieux et solennel pour vraiment visuellement montrer l'impact que peuvent avoir des mauvaises infrastructures non adaptées aux usagers les plus vulnérables. Thank you.